exactement les heures pour jeudi prochain, parce que je sais que vous devez rencontrer aussi le chef, etc. Voilà. Donc, bonne matinée, je suis bien présente. Donc, aujourd'hui, la thématique elle est autour de l'accueil client. Qu'est-ce qu'on dit à un client avant qu'il arrive? Donc, au téléphone, les réservations, ça va être important. Il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à poser des questions au professeur si vous avez des questions, justement, très particulières qui vous sont déjà arrivées et auxquelles vous n'avez pas su répondre. Pendant la présence du client, donc à la réception chez nous, et ensuite avec les praticiennes et les praticiens, comment pouvoir répondre aux questions et être le plus clair possible sur les explications qu'on donne aux clients. L'objectif, bien évidemment, étant de pouvoir montrer notre niveau de compétence vis-à-vis d'une clientèle exigeante. On a déjà reçu un certain nombre de clients. On se rend compte pour chacun des difficultés d'expression, des difficultés de compréhension de ce qu'on fait. Et donc c'est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour que le client il n'ait pas différentes visions qui lui sont amenées par les unes ou par les autres. Que ce soit au téléphone en amont. Voilà. L'objectif, bien évidemment, c'est d'aller vers la plus grande satisfaction client, la plus grande cohérence possible entre les uns vis-à-vis des clients pour qu'on soit clairement identifié comme étant un centre wellness clinique autour de la santé, autour de la prévention, autour du bien-être. Et de pouvoir avoir le maximum d'arguments possibles pour vous sentir à l'aise hein, dans votre communication. La technologie ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai laissé la parole à Dr. Ekel et certains le connaissent déjà parce que nous avons déjà fait des formations avec M. Ekel. Donc M. Ekel est médecin, professeur à la faculté et travaille aussi au niveau d'un centre de check-up médical sur Casa. Il a la chance aussi d'avoir un certain nombre d'appareils communs à nous, d'où son expertise très pointue sur cet ensemble de prise en charge du client dans sa globalité et sa connaissance des appareils que l'on utilise communément et sur lesquels donc, il peut répondre absolument sans problème. Voilà, donc Omar travaille toujours sur l'informatique. Est-ce que vous avez, alors nous avons nos deux praticiennes anglophones, donc Marie-Ève s'est mise entre elles deux pour pouvoir leur traduire au fur et à mesure l'information. We don't have the possibility for the doctor to speak half in French, half in English, because it's going to be too long, but you have your translator, your own translator, merci Marianne, and for sure if you need more explanation later, we can do it on the phone. Voilà, merci Omar. Bonjour tout le monde. Effectivement, comme l'a dit Aline, je suis désolé pour le retard. En fait, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Parce que je suis venu à plusieurs reprises et j'ai dû attendre. Donc ça tombe bien. Moi aussi, je vous ai attendu. Et ce n'est pas normal. Que je vous ai attendu quand j'ai fait la formation. Ce n'est pas normal que certaines personnes devaient venir à la formation ne sont pas venues. Donc je vous le dis avec franchise. Ce n'était pas normal. Je suis prof de médecine, je me suis déplacé de Casa et je vous ai attendu. C'est pas normal. C'est embêtant, hein? C'est embêtant, hein, quand on fait attendre les gens, hein? N'est-ce pas, les amis? Oui. C'est la même chose pour un client.
C'est la même chose pour un client. C'est vraiment embêtant de faire attendre quelqu'un quand on a un rendez-vous ponctuel. La ponctualité. C'est un de nos principaux défauts au Maroc. On n'est pas ponctuel. C'est terrible, hein? Et c'est culturel. On est comme ça. On fait les choses à la dernière minute, on n'est pas ponctuel. Mais dans un centre pareil, on n'a pas le droit. À l'hôtel, au spa. Et je vais vous parler d'une expérience qu'on a faite, hein, il y a quelques jours avec quelqu'un. On a appelé l'hôtel, hein, pour avoir une chambre ici. C'était très sympa comme expérience, je vais vous la montrer dans quelques instants. On a fait l'expérience d'appeler pour savoir combien ça coûtait la chambre et le spa, qu'est-ce qu'on fait comme service, etc. Et c'était très intéressant comme expérience, que j'ai partagé d'ailleurs avec le président. Pourquoi je suis là? Je suis en tenue de sport. Pourquoi je suis là? Je ne suis pas en costume cravate. Je suis là parce que j'ai envie de partager avec vous et d'échanger avec vous et de faire en sorte que vous soyez prêts en 4 jours. On n'est jamais prêt à 100%, mais pour qu'on soit prêt, au minimum. Et on est parti sur de quel principe? On est parti du principe d'abord d'un diagnostic de base qu'on a fait avec Aline. Et donc j'ai pu fréquenter certaines personnes d'entre vous, j'ai pu voir un certain nombre de choses, je vous ai transmis un certain nombre d'informations, je suis parti dans les salles de soins, j'ai vu les équipements, j'ai vu la salle de sport, j'ai vu le Uber, etc. Et j'ai fait mon rapport que j'ai transmis à Aline et que j'ai transmis au président. Ils ont eu le temps de le lire, ils ont eu le temps de le digérer et j'ai parlé des points positifs parce que vous avez beaucoup de points positifs et j'ai aussi parlé des points négatifs. Je sais que vous allez m'en vouloir, mais j'ai parlé des points négatifs. J'ai parlé de ce que j'ai observé. J'ai 28 ans d'expérience, j'ai beaucoup de clientèle aussi VIP dans mon centre, donc je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que l'exigence d'une clientèle VIP. Je connais la réalité du pays et je connais vos points forts et vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup de points forts. Mais également, j'ai pu observer certains points, disons faibles, ou des points d'insuffisance. Et l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les améliorer en fonction des moyens que vous avez. Je suis conscient qu'on ne peut pas demander à quelqu'un l'impossible si on ne lui donne pas les moyens pour faire des choses. J'en suis conscient. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'avoir 20 sur 20 si je ne lui donne pas les moyens d'aller à 20 sur 20. Si je lui donne les moyens pour aller 12 sur 20, il vous donnera au maximum 12 sur 20. C'est logique. Mais il y a des choses qu'on peut améliorer. On a observé, par exemple, et le président m'a posé la question il y a quelques jours, avec ses équipes, il m'a dit, monsieur Ekel, si demain j'ouvre pleinement le spa et tout, et je reçois des clientèles VIP, est-ce que nous sommes prêts? J'ai répondu non. Je suis sincère et franc. J'ai dit no way. Si vous recevez des clients VIP et des clients extrêmement exigeants, vous n'êtes pas prêt. Alors il me dit je ne comprends pas. Est-ce que j'ai l'infrastructure? Je lui ai dit oui, monsieur Tesla, vous avez une super infrastructure. Il m'a dit est-ce qu'on a les équipements? Je lui ai dit oui, vous avez les équipements. Il m'a dit est-ce que j'ai les hommes et les femmes? Je dis oui, vous avez les hommes et les femmes, mais les hommes et les femmes que vous avez n'ont pas eu encore la chance d'avoir toute la formation nécessaire, le soutien nécessaire, l'accompagnement nécessaire pour être au top. Il m'a dit, est-ce que j'ai le management, j'ai l'organisation? Oui, vous avez le management, vous avez l'organisation. Mais si vous avez le management, l'organisation, et vous ne lui donnez pas les moyens de management et d'organisation, et de connexion entre l'hôtel et le spa, ça ne marchera pas. Moi, je suis un indépendant, je suis extérieur. Je ne suis ni membre de l'hôtel, ni membre du spa. Mais dans l'état, votre organisation actuelle ne peut pas donner des résultats optimaux. C'est impossible. Ça va donner de bons résultats, de très bons résultats, mais ça ne peut pas donner de résultats excellents. J'observais également, et ce n'est peut-être pas de votre faute, que sur certains équipements, vous ne maîtrisiez pas tout. J'ai également observé votre façon de parler par rapport à un certain nombre de choses. Ce n'est pas encore top. On peut améliorer. Ce n'est pas une critique, il faut accepter la critique. Mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Je vous donne un exemple. Si moi, et sans le faire exprès, je suis un client, je viens chez vous et vous me tutoyez, ça ne peut pas marcher. Si je viens chez vous et me dis « tu vas bien ?», vous ne pouvez pas me dire « tu vas bien ». Je préfère que vous me le dites en arabe.
Mais qu'en français tu me dis, est-ce que tu vas bien? Non. Je suis dans un 5 étoiles, service 5 étoiles, on ne tutoie pas une personne, on la vouvoie. Clair, net, dans tous les pays du monde, y compris au Maroc. Si on ne maîtrise pas la langue française, il n'y a pas de souci. Je peux le dire en arabe. C'est très bien aussi en arabe. Vous allez avoir des clients marocains, des clients étrangers, des clients japonais, des clients... Si il est marocain et vous ne maîtrisez pas la langue française, il n'y a pas de souci. Mahbabik, et on sait le dire. Mahbabik, alf mahba, etc. Mais je ne peux pas lui dire, est-ce que tu vas bien? Ce n'est pas possible. Ni à l'hôtel, ni au spa. On ne peut pas dire tu. On va voir un certain nombre donc, d'exemples. Avant de commencer, le seul moyen, on a fait la formation avec vous, certains d'entre vous, j'ai vu l'équipement, il y a des équipements que vous ne maîtrisez pas, je n'ai pas honte de le dire, il y a des équipements que vous ne maîtrisez pas. Il faut les maîtriser. Parce qu'ils sont top, parce qu'ils ont coûté très cher, il faut les maîtriser. Je suis également conscient que la façon de fonctionner n'est pas toujours facile. Il y a de la pression, certains habitent à Casa, n'habitent pas à Bouzneka, c'est pas facile. J'ai même demandé une chose qui va vous surprendre. J'ai demandé la grille des salaires. J'ai dit, dites-moi, peut-être, donnez-moi les salaires des gens. Je veux savoir, est-ce qu'ils sont payés, sont pas payés, sont bien payés, sont pas bien payés, pour voir. Ça me permet de comprendre. Je leur ai demandé les horaires de travail. Déjà, Aline m'avait donné beaucoup d'informations, mais j'ai demandé au groupe de me donner l'information sur vos horaires de travail, votre modalité de fonctionnement. Ça m'a permis donc de mieux comprendre. Et donc, le seul moyen, après les formations que j'ai faites, on a fait une petite évaluation, mais là, on n'a pas. Et là, on a besoin, là maintenant, on ne peut plus se permettre. L'ouverture est proche, on veut donner un truc top, le président est un homme qui a envie de faire des choses formidable avec vous, et on a décidé qu'une seule manière de savoir, c'est qu'on va faire une évaluation. C'est-à-dire, je vais passer 4 jours avec vous, et le dernier jour, je vais vous évaluer de façon objective, écrit et oral. Vous allez passer un test écrit et un test oral. Et on veut savoir si vous avez appris des choses avec moi. Il y a deux choses possibles. Soit je suis mauvais, soit vous êtes mauvais. La vérité, moi, j'ai pas envie d'être mauvais. Pour être honnête avec vous. Donc, on va faire en sorte que pendant ces 4 jours, on apprend tous ensemble. Et n'hésitez pas, je suis là. Vous oubliez que je suis professeur de médecine. Vous dites, c'est un ami qui est venu et qui va travailler avec nous. Donc, vous allez me considérer comme votre ami pendant les 4 jours. Et posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête, tout ce que vous ne comprenez pas, etc. Pour que je sois sûr au bout du 4e jour, quand vous allez passer l'examen et vous allez être noté, et je vais noter le prof de sport, et je vais noter l'accueil, je vais le gastro relation, et je vais noter la praticienne, la kiné, l'ostéopathe, la diététicienne, avec le chef, et je vais être sûr que vous avez des notes acceptables. L'idée, ce n'est pas de vous faire réussir ou de vous faire échouer, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est simplement de nous assurer que les choses sont... Par exemple, je veux m'assurer qu'il y ait une connexion entre le coach de sport et la diététicienne. Je veux m'assurer que la praticienne ou l'ostéopathe, quand elle reçoit quelqu'un, qu'elle sait qu'est-ce qui se passe dans son dossier médical. D'accord? Qu'elle ne pense pas, l'ostéopathe, que la personne qui vient chez elle a une triple hernie discale et en fin de compte, elle n'a pas d'une triple hernie, mais elle a une fibromyalgie. Qu'elle ne fasse pas la confusion entre les deux. Je veux m'assurer que la praticienne qui va mettre quelqu'un dans la cryo, elle est consciente des effets indésirables et des contre-indications. Donc l'objet, ce n'est pas de vous former pour que vous soyez des experts dans le domaine médical, dans le domaine du wellness, mais qu'il y ait un minimum de choses que vous allez pouvoir. La deuxième et troisième journée, ça va être sur le terrain. Je vais venir avec ma blouse, avec truc, et on va faire les patients. Mais déjà là-bas, je vais me mettre d'accord avec Aline. Il nous faut les personnes qui vont passer les soins. Et je veux voir les soins. Je vais être habillé comme vous et je veux voir comment vous allez utiliser les machines. On a déjà fait de la formation théorique et on a fait de la formation pratique. Là, mes amis, je vais vous le dire en face. Si les kinés et les coachs ne savent pas utiliser le Uber, je vais hurler. Je vais hurler. Ce n'est pas acceptable que vous ne sachiez pas utiliser le Uber. Ça y est, maintenant, les kinés
et les coachs doivent savoir utiliser le humain. C'est non négociable. La diététicienne, elle doit être parfaite dans les plans nutritionnels. Et elle le sait d'ailleurs, elle est dynamique, elle est venue assister à un congrès, elle est là, elle est motivée, donc il n'y a pas de raison, etc. La connexion entre le spa et l'hôtel, ça doit être une connexion fluide. Top, on va le voir dans quelques instants. Le relationnel, l'hébergement, la diététique, le spa, ça doit être une seule équipe qui fonctionne ensemble. Et pendant que je fais la formation, n'hésitez pas à chaque fois, arrêtez-moi, dites-moi comment on fait ça, comment on change ça, etc. Il y aura toujours des jeux de rôle. Et à chaque fois que je vais passer des diapositives, je vais vous faire des jeux de rôle. D'accord ? Pour que je puisse voir comment vous réagissez, etc. Et le premier exercice, on va le commencer tout de suite, avant les slides. Vous allez vous présenter. Et je vous donne vous avez, pour que vous ayez un ordre de grandeur, vous avez 30 secondes pour vous présenter. 30 secondes. Mais chez 5 minutes, ne me racontez pas votre vie. Ma grand-mère, j'ai un chat, je vais bientôt me marier. On s'en fout. Je suis très franc avec vous. Je suis un client, j'arrive, je veux que vous vous présentiez. Si ça vous prend 15 secondes, ça me prend 15 secondes, mais je veux savoir, chacun d'entre vous, comment il va se présenter. Je ne veux pas vous dire quelles sont les normes de présentation, parce qu'on va le voir dans le cours. Comment on doit se présenter. Mais maintenant, je veux vous demander, vous avez le maximum, vous n'avez pas de minimum, mais vous avez un maximum, c'est 30 secondes. Et on va commencer par notre amie diététicienne. C'est bon? D'accord. Parfait. Suivant. Je ne dis pas que je suis d'accord avec vous. Hein. Je vous écoute et on passe. Vous mettez de la musique avec, ça m'arrange. On continue. Bonjour monsieur, je m'appelle Alessandre, je suis kinésithérapeute et c'est moi qui s'occupe de vous aujourd'hui. D'accord. Bonjour, je suis Rim Haji, votre réceptionniste à la Wellness Clinique. Vous avez le soin tel à l'heure telle. Je confirme avec le client et par la suite, je lui donne la fiche de mon contre-indication et je l'accompagne vers les vestiaires pour s'échanger. Bonjour monsieur, je suis Rivienne de la Wellness Clinique et je suis la réceptionniste et c'est moi qui va s'occuper de vous pour savoir votre soin et votre temps. Bonjour monsieur, vous allez bien, je vous présente votre coach sportif. On va passer une bonne séance avec vous. Oui. Bonjour, je suis Zakaria, je serai votre coach aujourd'hui et je vous accompagne à la salle de sport et on va faire notre séance. Bonjour, je suis Khalid Najmi, je suis réceptionniste à Wellness Clinic. D'accord. Bonjour monsieur, je suis Karta Hadari, votre sport praticienne. J'ai le plaisir de m'occuper de vous. D'accord. Bonjour monsieur, je suis tombée chez Célestin Pautin, Sarah, à votre service. Si c'était pour une réservation, je fais la procédure d'hébergement. Si c'est une demande de spa, je transmets l'information à mes collègues de spa. D'accord. Bonjour monsieur, bienvenue au fichier Célestin. Je suis Sarah, la guest relation. Je suis là à votre service. Bonjour monsieur, madame, c'est Amina Tauri, la guest relation manager. Permettez-moi de vous remettre ma carte de visite. Vous pouvez me contacter en cas de besoin. Je serai là à votre service pendant tout votre séjour. D'accord.
Bonjour, c'est Souhel Fatamzara, je suis l'agent de réservation à l'hôtel Vichy Célestin. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis Hanan, chargée de votre réservation. Bonjour, je suis Marie Delatry, agent de réservation au sein du Vichy Célestin, Casablanca. Donc je suis là pour vous conseiller le meilleur programme dont on dispose. D'accord. Bonjour, c'est Hanan, votre agent de réservation. Comment puis-je vous aider? D'accord. So go ahead, you can speak English. Yeah, you first. Bonjour, monsieur Hertel. Je m'appelle Marine, je suis la responsable de réception et boutique. Je serai à votre disposition. Donc je vous ai écouté, etc. Il y a des règles de base, mes amis, quand on se présente. Il y a des règles de base. Nous sommes dans un hôtel 5 étoiles, et nous sommes dans un spa, et nous portons le nom de Vichy Célestin. C'est une marque qui est connue à travers le monde, etc. Ça aurait pu être une autre marque. Il se trouve que c'est la marque Vichy Célestin. Quand on se présente, il n'y a pas 10 000 scénarios. Le premier scénario, si c'est un client que vous ne connaissez pas, je peux comprendre que vous ne connaissiez pas son nom et son prénom. Si vous ne le connaissez pas, il arrive, il débarque à l'hôtel, vous ne le connaissez pas. Mais si c'est quelqu'un qui a réservé, si c'est quelqu'un qui est attendu, ce n'est pas acceptable de ne pas connaître son nom. Ce n'est pas acceptable. Oui. Bonjour, je me présente. Déjà, monsieur Ekel, ou madame Pelage, ou monsieur Tartampion, ou madame Robert, ou ce que vous voulez, vous êtes censé connaître la personne. Ça me rassure et ça me fait du bien. Ça me fait du bien que vous sachiez comment je m'appelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous vous présentez. Quand on se présente, c'est plus intime et plus sympa quand on dit Sarah, Fatiha, Omar, Naufel, Jalila, Fatima, Khadija, Amy. C'est très agréable. Je suis Noheila, je suis votre diététicienne. Ça, c'est important. Donc, je connais le nom de la personne et moi, je me présente. Une chose aussi extrêmement importante, quand vous vous présentez, je veux savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes mon praticien? Vous êtes ma guest relation? Vous êtes mon agent de réservation? Vous êtes mon ostéopathe? Vous êtes mon kinésithérapeute? Vous êtes qui? Je suis Sarah. Bon, ben, je suis très heureux que vous soyez Sarah, mais Sarah, c'est qui? Ben, je suis votre kiné. C'est très important que dans votre parcours de santé, parce qu'on va, ce matin, on va parler du parcours de santé. On va parler du parcours de soins, on va parler du parcours de santé. Que je sache qui vous êtes. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? De deux choses l'une, soit j'ai un parcours de soins et de santé et je vais aller là, soit vous allez me connecter, vous êtes à l'hôtel, vous allez me connecter au spa, ou alors je vais aller vers une cabine. Et donc c'est très important que je sache que vous savez. Bonjour, je suis Sarah, votre praticienne. Je vous accompagne. Vous m'accompagnez où? Aux toilettes? Where? Bonjour, monsieur Ekel. Je suis Sarah, votre praticienne. Et vous avez aujourd'hui une séance donc, de massage à renforcement musculaire dans la salle de soins, donc venez me rencontrer. Ouf, c'est cadré. Je sais qu'on sait qui je suis, je sais avec qui je vais, et je sais où je vais. C'est pas compliqué, les amis. Il n'y a pas 36 000 solutions. Lorsqu'on a envie, on va le voir dans quelques instants, d'aller plus loin, c'est là où on va commencer à nouer le contact. On va le voir, la relation avec le patient ou avec le client. Où on va. Mais je ne vais pas dire... Bonjour, alors, elle était sympa la nuit avec votre épouse hier à l'hôtel? Ah, ça devait être sympa, hein? Là, vous êtes en train de rentrer dans une intimité, là. Et je ne vous ai rien demandé. Ça va mieux? Vous aviez l'air énervé hier avec votre chauffeur. Mais ça vous regarde. La proximité client ne veut pas dire intimité client. Proximité, oui. Intimité, non. En arabe, on appelle ça tsara.
des fois, je vais vous utiliser des termes en marocain, comme ça, on sait ce que ça veut dire. Proximité, oui. Sarah, non. Il faut qu'on soit proche. Il faut qu'on soit au plus proche possible, mais pas dans leur intimité. Et on va le voir dans certaines salles de soins et tout, etc. Ou dans les salles donc de sport. On est des pros. Des pros gentils, des pros compétents, des pros de qualité, mais on n'est pas dans l'intimité. On n'est pas là pour... vous allez voir des exemples, on dit « Ah, je constate que vous avez trop de poils qui sortent du nez. » Qui fait que je constate que vous avez trop de poils qui sortent du nez? Non, mais ça va, oui. J'ai pas envie de rester chez vous, là. Je peux vous le dire tout de suite. Et vous allez voir que on va avoir ce qu'on appelle, nous, la théâtralisation. Il va falloir, à un moment, faire du théâtre. Du beau théâtre, on va le voir. Mais pas de rentrer dans des choses qui ne vous regardent pas, etc. Donc, mes amis, la première chose dans la présentation, elle est cruciale. C'est le premier contact, on va le voir. C'est le premier contact avec votre client. Et le premier contact, c'est très important. Il faut que le client dise « Waouh ! Waouh ! Qu'est-ce qu'ils sont gentils ! Qu'est-ce qu'ils sont sympas à l'hôtel ! Qu'est-ce qu'ils sont adorables à la réception ! Qu'est-ce qu'ils sont top et professionnels dans donc, le spa ! Ah, c'est magnifique la relation qu'il y a entre eux. J'ai été... Il y a un fil conducteur entre l'hôtel et le spa exceptionnel. Ma chambre, c'est exactement ce qu'on m'avait dit à l'hôtel. Mon soin, c'est exactement ce qu'on m'a dit au spa. La connexion entre les deux. Ils m'ont pris en charge comme un bébé. J'ai été dorloté de J1 à J6 où je suis sorti. Et c'est ça ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir. Et j'ai intitulé ce parcours de santé « Exigence et attente ». Et je vais m'arrêter sur ces deux termes, « Exigence et attente ». C'est quoi une exigence pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire une exigence? En arabe, « Al-matalib »« Chnouhoum al-matalib » Les exigences. Et pourquoi on ne parle pas de demande? On parle d'exigence. La nuance est de taille, mes amis. Pourquoi je n'ai pas mis les demandes, j'ai mis les exigences. Parce que le client est spécifique. Les exigences, c'est automatiquement. Ouais. Pourquoi vous avez des exigences chez vous? Quand on exige quelque chose, on ne donne pas le choix. Et quand on demande, on vous donne le choix. Exactement. Et pourquoi je suis exigeant à votre avis? Parce que... Vous êtes payé. Eh oui, mes amis. C'est pas gratuit chez vous. J'ai appelé au téléphone, je sais combien coûte la nuit d'hôtel. Waouh, vous n'êtes pas donné. Donc j'ai le droit d'être exigeant. Quand vous allez quelque part dans un restaurant, mes amis, et qu'on vous offre le repas, est-ce que vous dites, c'est pas bon, ça c'est pas terrible, la quantité est faible. Vous n'osez pas, Yac. Vous n'osez pas, pourquoi? Parce que c'est gratuit. Mais quand vous payez, c'est froid, changez-moi ce plat. Ketchup. J'ai pas. Ketchup, mayonnaise, moutarde. Je m'en fous. Je veux ce que je veux. Je paye. Donc si vous me donnez, mes amis, une chambre à 4000 dirhams la nuit, on le dit, je suis en droit d'exiger. Si je vais aller chez Aline et elle me dit les 6 jours, c'est 40 000 dirhams ou 36 000 ou X, mais il y a intérêt à ce que Mme Pelage, ses services et toutes ses équipes soient top. Hein. C'est la même chose quand les gens viennent chez moi. Ils disent, ah moi je vais en consultation professeur avec elle. Putain, on paye cher ce professeur. Mais j'espère qu'il me donne un service unique. Parce que sinon il y a plein de médecins, pourquoi je vais aller chez lui? Donc, l'exigence. Mais mes amis, une exigence en face, il faut que vous soyez top. Mais au-delà des exigences, qu'est-ce que j'ai rajouté? Les attentes. Je suis exigeant parce que je paye, parce que je viens dans un endroit, mais j'ai des attentes. Je vous l'ai dit dans la formation pour ceux qui étaient présents, les attentes, nous n'avons pas tous les mêmes attentes.
Et ce qui est difficile dans votre métier, c'est qu'on ne peut pas toujours standardiser. Chaque client est un client particulier. Vous me voyez, je suis gros, mais peut-être que je ne viens pas chez vous pour maigrir. Je viens pour vous, chez vous pour déstresser, pour faire des massages et pour faire du sport et rester à l'hôtel tranquille. C'est pas parce que je suis gros que je viens pour maigrir. Et je suis peut-être une femme qui est bien, mais je veux aussi maigrir. Mais madame, vous êtes bien? Non, je veux maigrir aussi. Les amis. Et donc, votre difficulté, c'est que vous allez vous retrouver avec des clients qui non seulement sont exigeants, mais ont des attentes particulières. Et mes amis, avant de commencer n'importe quelle cure, on va voir la notion de cure, qu'est-ce que ça veut dire. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que vous soyez sûr et certain, et j'en ai déjà parlé, quelles sont les attentes de votre client. Et comment connaître les attentes des clients? Poser des questions. Exactement. Ça. Si vous ne m'avez pas demandé, vous ne pouvez pas connaître mes attentes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quelles sont vos attentes? Et des fois, les attentes, ils vont le dire plutôt à Madame Pelage, qui, elle, a certaines informations stratégiques. Peut-être qu'ils vont le donner à la diététicienne et nutritionniste. Peut-être qu'ils vont le donner à la réception. Que j'ai des attentes. S'il vous plaît, moi je viens 5 jours, je ne veux pas entendre de téléphone, je veux me reposer, je veux déstresser, et je veux, s'il vous plaît, j'ai un mal de dos, je veux une ostéopathe qui s'occupe de moi. Ça, c'est mon attente. Maintenant, pendant le séjour, si vous, vous pouvez aider par autre chose, ben tant mieux. C'est la cerise sur le gâteau. Mais d'abord et avant tout, mes amis, ils sont là, c'est pour répondre à leur attente. Et on s'est aperçu dans beaucoup d'études qu'il y a des gens qui vont passer 4-5 jours, mais finalement, ouais, c'était bien, le massage était bien. Mais ils n'ont même pas répondu à mon attente. J'ai même pas eu un examen. Moi, en fait, je suis diabétique, je suis déséquilibré. Il n'y a personne qui m'a posé la question sur mon diabète. Moi, c'est vrai que c'était sympa le massage. Hein? Le bol d'air et tout ça, ouais, c'était sympa. Mais ce n'était pas ce que je voulais. À votre avis, quelqu'un qui dit ça, il va revenir? Je peux vous être sûr qu'il ne va pas revenir. Par contre, quelqu'un qui dit, franchement, aussi bien à l'hôtel qu'au soir, c'était au-delà de mes attentes. Non seulement ils ont répondu à mes attentes, mais en plus j'ai eu des services supplémentaires auxquels je ne m'attendais pas du tout. Est-ce qu'il y a des chances que cette personne revienne? Évidemment, mes amis. Et votre objectif, c'est que non seulement les gens soient satisfaits pendant leur séjour, mais qu'ils reviennent. Quel est le gros problème du tourisme au Maroc? C'est la fidélisation. Les gens ne reviennent pas. Ils viennent et ils ne reviennent pas. Et à votre avis, pourquoi? La qualité de service. La qualité de service. La qualité de service par rapport à quoi? À ce que je paye. Si je paye 2 dirhams, je ne peux pas exiger quelque chose de plus que 2 dirhams. Mais si je paye 50 000 dirhams, il me faut quelque chose qui corresponde à 50 000 dirhams. Les clients ne sont pas stupides, mes amis. Ils ont besoin de savoir si ce pourquoi ils sont venus, vous avez été là, à la hauteur, et est-ce que le prix qu'ils ont payé, ça s'appelle, il y a pas mal de jeux en France, ça s'appelle le juste prix. Est-ce que nous avons le juste prix? Ok, c'est clair pour tout le monde? Alors, première chose, est-ce que vous pensez que la vie a changé depuis les 10-15 dernières années? Bien sûr. Oui. Je l'ai montré dans la formation que j'ai faite, on ne mange plus comme avant, on est pressé, on est stressé, et on a surtout des maladies chroniques. C'est quasi impossible que les personnes qui vont venir chez vous au-delà de la quarantaine n'aient rien. C'est pas possible. Au minimum, ils ont une chose, ils sont stressés. Au minimum. Il y en a qui vont être hypertendus, diabétiques, cancer, surpoids, obésité, mal de dos, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, l'évolution fait en sorte que nous avons de plus en plus de chances d'avoir des maladies chroniques et qui font en sorte qu'une approche globale, une approche holistique, comme chez Vichy, va me permettre de me soulager. Avec deux événements qu'aujourd'hui,
sont évidents. Quel est l'événement le plus évident qui se passe depuis tout à l'heure que je parle? Depuis tout à l'heure que je parle, mes amis, ça fait 35 minutes que je parle, vous avez vieilli de 35 minutes. Mes amis, vous n'avez pas le choix. Même Aline, que j'adore, a vieilli depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est génial. Ça, vous n'avez pas le choix. Le vieillissement des populations françaises, européennes, tous vos gros clients, le vieillissement est une évidence. Le vieillissement de la peau, du corps, de l'organisme, des organes, c'est une évidence. Et donc, je viens chez vous pour que vous puissiez me retaper. Mais en dehors du vieillissement organique, qu'est-ce qu'on veut également de plus en plus? L'apparence physique. L'apparence physique, c'est aussi important. Donc, on a les maladies, on a le vieillissement et on a l'apparence. Et pourquoi je viens chez Vichy? Pour me ramener mon apparence. Soigner mon apparence. Si je peux avoir des choses anti-âge. En fait, de toute façon, on va vieillir, mais on souhaite vieillir dans les meilleures, conditions et avec le moins de dégâts possible. L'anti-âge, et vous connaissez maintenant, c'est à la mode, anti-âge, anti-vieillissement, anti-anti-anti, mais il y a beaucoup de anti qui sont des mensonges. Alors bien sûr, c'est facile de mentir. On va vous rendre, quel âge vous avez madame, 55 ans? Vous sortez de chez nous, vous aurez 22 ans. On fait ça. Moi, si j'étais sûr que vous alliez faire ça, moi j'habiterais chez vous. Moi, Jafar Elkel, j'habite chez vous. Si vous me garantissez que toutes les femmes qui rentrent ici, elles sortent à 22 ans, moi j'habite ici. Mariez-moi si je voulais. Donc, je ne quitte plus. C'est sûr quoi. Mais attention, les amis. L'erreur à ne pas faire dans un centre comme Vichy, c'est de raconter des salades aux gens. C'est le meilleur moyen de perdre vos clients. C'est le meilleur moyen de les perdre. Vous allez gagner un petit peu au début. À moyen et à long terme, vous les perdez. Parce que vous avez raconté des salades. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre de mon rêve, de 22 ans, je vais me réveiller et je vais m'apercevoir que je n'ai pas 22 ans. Donc attention aux promesses, on en avait déjà parlé dans la formation. Attention, attention aux promesses. Dans tout ça, vous avez deux éléments sur lesquels on va beaucoup parler ce matin. La prévention et le bien-être. Je vais vous demander, c'est quoi votre définition de la prévention? Bonjour madame, bonjour monsieur. Ici, nous allons tout faire pour vous. Et particulièrement, nous allons axer tous nos efforts sur la prévention. Prévention? Prévention de quoi? Allez, dites-moi, c'est quoi pour vous la prévention? Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas un centre médical. C'est la différence entre vous et moi. Moi, je suis un centre médical, la CASA. Vous, vous n'êtes pas un centre médical. Vous êtes un centre de wellness et de bien-être. Alors, dites-moi, en quoi la prévention à Vichy Célestin, Spa, Bosnera, ce que vous voulez, en quoi, c'est quoi la prévention chez vous? Parce que vous allez parler de prévention, et d'ailleurs, on le voit hein, dans vos... Dans vos propositions de cure, etc. C'est quoi la prévention? Je veux votre... Parce que moi, je vais vous poser la question. À chaque fois, je vais être le client. Je vais vous demander, dites-moi, c'est quoi la prévention de quoi? Je vous écoute. Hein. De tomber dans les mauvaises erreurs. De tomber dans les mauvaises erreurs. Okay. Par exemple, si un client va passer une heure avec Noëlla, Noëlla va lui donner... des règles à suivre pour manger, pour bien se nourrir. Et ça, et si le client suit ça, ça va lui prévenir des maladies par exemple par la suite. D'accord. Moi, okay. Je dirais plutôt que la prévention, c'est en cas qu'il y a par exemple un client qui a déjà des pathologies, on fait en sorte de ralentir l'évolution de certaines pathologies. Et si jamais la personne est en état de santé ou juste qu'il y a un problème de stress, burn-out, donc on essaie de diminuer ce stress avec tout ce qu'on propose à la wellness clinique. Et donc d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres partages
Vous avez envie de dire oui? On lui donne les bénéfices de sport et comment, comment on doit faire du sport correctement. D'accord. C'est faire le soin, avoir une certaine façon de vivre pour prévenir les maladies qui peuvent s'installer avec une mauvaise hygiène de vie. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous avez d'autres éléments? Gérer son stress, d'accord. Alors je vais vous répondre directement. Comment? Dans un second temps, je dirais que ça serait de apprendre à la personne de voir la vie autrement, le mode de vie sain, pas que côté alimentaire, mais côté émotionnel aussi, en complexe. Voilà. D'accord. Vous vous rapprochez de plus en plus. Parce que ce que vous avez dit depuis le début, je vais vous dire, vous dites n'importe quoi. Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous êtes psychiatre? Est-ce que vous êtes psychologue? Il y a beaucoup vous parlez de prévention des maladies. Vous n'avez pas les compétences pour ça, hein, je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas médecin? Vous n'êtes pas psychologue? Vous n'êtes pas psychiatre? Donc attention mes amis, quand vous allez parler de prévention, la prévention, ne la posez pas, et là tu as commencé à te rapprocher, ne la posez pas comme quelque chose qui va éviter les maladies. Parce que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour ça. Je peux rapidement démolir votre discours. Par contre, vous êtes un lieu de prévention par excellence pour. Pourquoi? Pour avoir, et tu l'as dit, Noahila, un mode de vie sain. Mais oui, mais bien sûr, de la bonne activité physique adaptée. Mieux manger. Avoir donc des soins qui vont me permettre de mieux savoir gérer ma respiration, de mieux gérer mes muscles, de mieux gérer mon activité, de moins stresser. Bien évidemment, marcher en bord de mer, ça, c'est un antistress. Faire de l'activité physique, c'est un antistress. Que mon ostéopathe m'apprenne un peu de posturologie, que ma kiné ou mon kiné m'apprenne comment mieux porter une charge. Mais c'est de la prévention, ça. Si j'axe sur les maladies, je vais vous apprendre à ça, comme ça vous n'avez pas de diabète ou vous n'avez pas d'hypertension. Je vous dis, je suis déjà diabétique depuis X temps, mademoiselle. Mes parents étaient diabétiques, je suis déjà diabétique depuis 4 ans. Donc, chez vous, ce n'est pas ça ce qui va m'éviter le diabète. J'ai un psoriasis, hein, je suis stressé, j'ai un psoriasis. Ce n'est pas vous qui allez me faire mauvais problème. Mais par contre, vous allez jouer un rôle extrêmement important pour changer mon mode de vie, parce que je sais que le mode de vie impacte sur la santé. Clairement. On sait aujourd'hui, on a toutes les preuves du monde qui démontrent que votre mode de vie impacte sur la santé. Je ne vais jamais aller sur un terrain glissant, je ne vais jamais aller sur un terrain que je ne maîtrise pas. Donc, prévention. Et deuxièmement, là vous êtes à l'aise, c'est quoi? Là par contre, vous êtes à l'aise, le bien-être. Ici, c'est pour la prévention du bien-être. Et là, vous êtes champion du monde. Il est là pour le bien-être. Et maintenant, je veux votre définition du bien-être. Bonjour, ben écoutez, il paraît que chez vous, c'est le bien-être et tout, etc. Oui, monsieur, oui, madame. C'est quoi pour vous le bien-être, mes amis? Si on vous pose la question, c'est quoi le bien-être? C'est la relaxation. C'est la relaxation. Être détendu. Sortir du mode de vie, ok? La détente. La détente. C'est l'entretien corporel. C'est l'entretien. C'est l'état psychique. C'est l'état de la santé en général. Mm-hmm. Bien physique et mental. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Des maladies graves. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres définitions du bien-être? Hygiène de vie. Hygiène de vie. Émotionnel. C'est se bien sentir dans son corps. Se bien sentir dans son corps. Évacuation du stress. Ok. Pourquoi quand vous voyez dans les images, partout, si maintenant vous rentrez sur Google, vous mettez bien-être, vous allez retrouver comme image. Qu'est-ce que vous allez retrouver comme image? Vous allez retrouver des gens qui font le yoga, des gens qui sont comme ça, des gens qui sont comme ça, des gens qui sont souris, des gens qui sautent, des gens qui sont dans la verdure, il y a la piscine, il y a le spa. Pourquoi c'est cette image
de bien-être. C'est ce que vous voyez, rentrez sur Google. Mettez bien-être. C'est lié au bonheur. Lié au bonheur.